L'occupation est une période compliquée pour la presse en France. Déjà parce qu'une partie a franchement collaboré, qu'une autre était contrainte d'obéir aux consignes si elle voulait pouvoir continuer à publier et avoir du papier, qu'une partie a donc dû cesser de publier pour ne pas devoir se corrompre dans la collaboration. Et de l'autre côté, c'est une période durant laquelle une presse résistante va émerger et qui va parfois devenir les organes de presse officiels. Enfin, officiel en tout cas, normalisé, après du coup la libération. Donc c'est une période phare pour l'histoire de la presse, un tournant, des journaux historiques disparaissent, de nouveaux naissent, mais si vous voulez en savoir plus à ce sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, je vous mets le lien en description et je vous invite à aller la voir.